notre Seigneur Jésus-Christ. Gagaba yala loni mahane nerene kunamu Jésus-Christ. Vous êtes là pour écouter sa parole. Mawa gagaba etai gagamo ta nawoba. Donc vous êtes dans la volonté de Dieu ce matin. Gaga yala sabi mon mawela. Vous êtes dans sa volonté au nom de Jésus. Gaga libanelu. Alléluia. Amen. Je vois que la présence de Dieu est là ce matin. Nana gama yalla bokokawo kuluwanu wala mu. Dieu nous visite ce matin au nom de Jésus. Yalla gabai kuna kai le wala mu. Dieu va te visiter au nom de Jésus. Yalla gabai mo Dieu va te visiter au nom de Jésus. Yalla gabai mo Dieu va te visiter au nom de Jésus. Yalla gabai mo pria. Il faut disposer ton cœur seulement. Et ni kapele pel. Alléluia. Amen. Il faut disposer ton cœur. Gama eni kapele. Pendant qu'on est, qu'on sera en train de donner le message. Balouai, papa kayala motela. Les vases viennent. Yanga dakama nuwa dialogue de plo. Il faut les stopper. Koyili po. Alléluia. Sans plus tarder, on a dit naplu. Nous allons nous tenir debout. Bukanga kokutoma yela. Et comme vous le connaissez, Ebre Kabona, moi je le connais, et Nyangwe Kabona, je vais inviter un éminent serviteur de Dieu. Car il n'y a pas de le Kamou à la Tateri. C'est un homme qui aime le Seigneur, et nous t'a qu'à dire, car c'est sur vous, il est très loyal. Alléluia. Et il a amené les colons. Et nous aimons son esprit. Et il vient Gabaï sous une autre dimension encore ce matin. Dans une autre dimension ce matin. Pour te donner ce que le Seigneur lui a confié pour toi. C'est bien notre bien-aimé. Notre prophète, Yagaba go prophète maledogumu, le conseiller, Yagaba anua, Tadinya Megamu. Alléluia. Amen. Prophète Joël Crasson, qu'on va acclamer très fort. Yavada Mama. Prophète Joël Crasson, le Gabu Yeroa Manyobaru, Jésus-Christ est là-bas. Alléluia, nous allons donner la parole à notre
prophète maintenant. Attendez, après, nous mettons un prophète Paul. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut clamer Jésus sur le Père? Je suis pas là, Dieu nous fera du bien aujourd'hui, il va nous faire du bien. Qui est quelqu'un qui te fera du bien? Non, parle avec force. Dieu te fera du bien ce matin. Il y a la campagne de Yanné. Il y a la campagne de Yanné. Dis encore à quelqu'un, Dieu te fera du bien ce matin. Il y a la campagne de Yanné, il y a la route. La Bible déclare, Jésus dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je me tiens parmi eux. Il dit, il y a deux ou trois, nous sommes plus que deux ou trois, assemblés en son nom, je me tiens parmi eux. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Dieu souverain, tu es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Toi qui renouvelles mes forces, toi qui me donnes la force nécessaire afin de me tenir devant ton peuple. Utilise ma perfection et bénis ton peuple ce matin. Qu'une onction spéciale soit déversée sur ton serviteur que je suis et au travers de mon canal, viens édifier ce peuple qui attend beaucoup de choses de toi. Guérison, délivrance et restauration. Bénis-nous, Seigneur. Merci. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. On dit Amen. Amen. Qui est content d'être présent ce matin? Mesdames, la dernière fois, j'étais beaucoup fatigué, mais aujourd'hui, je vais prêcher. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. J'ai béni le nom du Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous. Pour ta vie et ma vie et la vie de pasteur. J'ai béni le nom du Seigneur pour cette église. Après 15 ans, je reviens encore. Que son nom soit béni. Nama Ouya. Vous dites pas Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Le dimanche est réservé à l'adoration. Dimanche là, on dit adoration. C'est un moment où chacun reconnaît l'Éternel comme Dieu. Voilà, d'accord, quoi bleu, nous à Yala Bae, car vous voyez nous clé à Yala Kro, à Tia Yala. C'est comme dans le cultisme. Il y a un jour où on va adorer le génie. Gaïa, d'accord, nous à Yala Halba Kro, d'accord, nous à Yala Kro, aujourd'hui, c'est le jour de base. Haglé. Et Jésus dit, l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Nous voyons et nous voyons à Abraham Volo, nous voyons à problème, mais il n'y a pas de problème si à Tia, à Kri, à Tia. Parce que Dieu s'adore en esprit. Dieu est esprit. On ne peut pas se prosterner devant une statuette. Et dit que c'est Dieu. On ne peut pas représenter Jésus. Quand je lance une personne qui dit qu'elle est chrétienne, et quand elle rencontre une fois disant photos de Jésus, je constate que c'est un idolâtre. Depuis quand on a parlé de Jésus pour mes enfants. Amen. Il a une fois vu pour faire sa photo. Il y a tant de photo. Il n'y a pas de photo. On ne doit pas se prosterner, on ne doit pas représenter. Nous sommes là sur Jésus, photo d'adorer en esprit. Pourquoi Nous croyons qu'il existe. Mais il est esprit. Regarde. Il est parmi nous. Et nous le reconnaissons comme Dieu. Pour dévoir, pour mentir, c'est de l'adorer. Il y a beaucoup de problèmes. Dis Amen. Notre dévoir, c'est de l'adorer. Il me le mérite. Oui, il y a beaucoup de problèmes. Cette semaine, il t'a donné
cette capacité de respirer. Il y a un malade, il n'y a pas de nom aussi. On perd partout de courant. On perd partout de. Quoique, il y a un malade. Il n'y a pas de courant. Mais quand il n'y a qu'un nom, pas ça. Amen. Alléluia. Tu as bien respiré même, il n'y a pas de nom. Oui. De partout. Il y a un nom pour aller. Il y a des gens qui respirent à leur narine. Mais il n'y a pas de facture. Il y a que le nom, mais qu'elle doit que ma pas un mot facture à l'épreuve. Il y a beaucoup qui sont morts. Notamment dans Ha. Toi, tu es vivant. Mais elle a le nom là. Pas parce que tu es mieux que eux. Mais vous allez vous connaître, il y a dans Ha. Alors c'est juste une grâce. Car un gars m'a mené là. Amen. Amen. C'est pour ça que quand nous sommes dans sa présence, il y a beaucoup de quoi faire. Vous comprenez, nous sommes réjouis. Vous pouvez aller avec plein de. Personne n'est maître de sa vie. Personne. Nous t'avons envoyé mon calamant. Nous t'avons le maître de ta vie. Yahweh a envoyé mon calamant. Quelqu'un qui est là-haut, de l'être suprême. Onisier. Tu décides de l'appeler, mais Yahweh a mon calamant. C'est ça, avant de te lever, il faut prier. Yahweh a. Il y a un meilleur matin, un voile beau. Quand tu te lèves matin, il faut lui dire merci. Il y a un meilleur, il va prendre que ma maman. Suis-moi. Il n'y a pas trop de mouvement, suis-moi. Aujourd'hui, là, on va prêcher. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu viens aller dormir, il faut lui dire merci. Il y a quelqu'un qui a dit un like, ma maman. Parce qu'au cours de la journée, beaucoup de choses peuvent se passer. Ma robot est beaucoup mou, mais dans ma qualité. Alléluia. Alléluia. Il est tellement bon. Mendele Pokana. Dis à quelqu'un, tu es bon. Dis à quelqu'un, tu es bon. Quand tu es bon. Dis à quelqu'un, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Il m'arrive à m'asseoir et puis je lui dis, tu es tellement bon. À quand tu es tellement bon. Et que merci m'a permis de te connaître. C'est une grâce de connaître Dieu. C'est une grâce de le connaître. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Il a nous choisi. Pour ceux qui ont dit, il y a beaucoup d'appelés. Et il dit, mais sont ceux qui sont élus. Que les il a dit hier, maintenant de lui, il y a ta parole. Il faut toujours lui dire merci. Maman. D'avoir fait de moi ton enfant. Dis à quelqu'un, dis à Dieu, merci. D'avoir fait de moi ton enfant. Merci de m'avoir choisi comme ton enfant, Seigneur. Maudit. Je suis très heureux de connaître Dieu. Amen. Amen. Je suis très heureux parce qu'il me protège. Je suis très heureux parce qu'il prend soin de moi. Comme un véritable père. Oui, Améka, Yabé, nous n'avons Améka là. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse. Yala, Gotoka. Alors, je suis le prophète Crasso. D'accord, mais prophète Crasso. Je vous expliquais tout à l'heure, dans mon message. Moi, oui. C'est un enseignement que je vais apporter sur le ministère des prophètes. Qui on peut appeler prophète? Gabon, nous sommes bloqués. D'accord, prophète. Parce qu'il y a cinq ministères. Malgré pour l'organe. Lui, il est pasteur. Gars, pasteur. Comment le ministère des pasteurs fonctionne? Le plein pasteur, mon plein cala. Comment l'évangéliste fonctionne? On va expliquer. Plein évangéliste, apôtre. Comment l'apôtre fonctionne? On va expliquer. Plein apôtre. Comment le docteur, enseignant fonctionne? Comment le prophète fonctionne? Je vais vous expliquer. Comment on puisse s'entendre? Mon plein cala. Parce que si vous ne savez pas comment mon ministère fonctionne, il sera difficile de me comprendre. Alléluia. Ça va? Souvent on m'appelle, on dit, mais pourquoi on t'appelle prophète? C'est pas moi qui veux. Celui qui m'a appelé, il m'a choisi. Il a une fonction. Le président de la République est là, le premier ministre, il y a des présidents. De la République, à la économie, de santé, éducation. Hein? Le ministère, c'est une fonction. Oui, pour l'autre appel d'année, il y a un col à côté. On va bien saisir. C'est quoi, Yaka? Alors, je suis le responsable d'une fondation qu'on appelle l'ONG Espoir de vie. Je vais déjà expliquer ça. Ah, c'est le cas, clé. Pour le cas, il faut bouger, moi. Moulou, pour le mouga. Bouge. Faut pas faire un tournée comme ça. Bouge devant moi. Ah. Amen. 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 L'ONG, parce que tout le monde entend, c'est le monde entier que vous suivez. Les États-Unis, la France, tout le monde vous suit. Le monde entier en train de vous suivre. Amen. Alléluia. Amen. Je suis le responsable de l'ONG Espoir de vie.
J'ai quitté si ça fait 15 ans, c'est pas ça. Il y a beaucoup de choses à faire dans ma vie. Amen. Amen. Si tu sers Dieu, et qui te bénit pas, il faut te poser des questions. Tu es serviteur de Dieu. Et puis un an, deux ans, trois ans, cinq ans, Dieu ne te bénit pas. Il faut lui demander 15 pourquoi. Pas parce que Dieu, mais souvent ta vie le fait que Dieu ne te bénit pas. Parce que la bénédiction elle est conditionnelle. Jésus a eu 3 ans de ministère. Et puis Jésus a eu 3 ans. On n'a pas eu 10 ans de ministère, il a eu 3 ans de ministère. Si Dieu t'a appelé, il va te bénir. Si Dieu t'a choisi, et que tu fais sa volonté, il va te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Je suis ici en Zéro Corée. Pour tourisme. Pour accomplir la volonté de Dieu. Sinon, c'est vrai, je vis en France. J'ai une grande église en France. J'ai une très grande église en France. Amen. Amen. Nous sommes en train de préparer encore sur Montréal, du Canada. Je suis suivi par 284 secteurs dans le monde qui me suit. Et nous Alléluia. Alléluia. Au moment où je venais en Guinée, voilà, je pas la guerre, il y avait un problème d'Ebola. Ebola, on dit oh, Ebola et tu fais quoi? Tu allais faire quoi? Un zélé. Je dis j'adore celui qui détruit, qui peut même détruire Ebola. Alléluia. Je suis sanctifié. Ce qui fait vivre le juste, c'est sa foi. C'est la foi qui fait vivre le juste. C'est pas son raisonnement, c'est sa foi. Moi, j'ai une foi qui vit en Dieu. Je suis responsable d'une fondation. Je suis responsable des églises pentecôtistes authentiques dans le monde. Église pentecôtiste authentique internationale. Internationale, dans le monde. Dans le monde. Amen. Je suis aussi PDG, président, directeur général. J'ai une société Abidjan qui s'occupe de beaucoup de choses. Il a déjà vu, je ne vais pas trop parler. Amen. Je ne suis pas un homme de Dieu qui reste comme ça pour regarder. Je suis un businessman. Alléluia. J'ai 20 voitures. Je fais beaucoup de choses. Je ne vais pas trop parler. J'aime avoir l'argent. J'attends pas aux francs. Parce que si tu n'as pas l'argent, tu deviens sorcier. Voilà, ok, il y a qu'à vous. C'est la vérité. Quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui n'a pas l'argent, ils n'ont pas la même manière de voir la vie. Ni voir gagner, ni voir gagner. Oui, celui qui n'a pas l'argent pense seulement celui qui a l'argent des projets. C'est une chose. Or, quelqu'un qui pense trop, il devient sorcier. Parce que la vie ne tombe pas. Son esprit s'envole. Amen. Or, la Bible dit que demande et tu restes pas. Mais cherchez et vous trouverez. Donc, le principe de Dieu, c'est de chercher. Alléluia. Amen. 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 J'aime chercher l'argent. Amen. 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 Parce que l'or et l'argent appartient à mon Dieu. Amen. Je vous ai donné le secret pour avoir l'argent. Il faut le donner. Le dimanche passé. Amen. Alléluia. Amen. Ici, il y a des hommes de Dieu qui sont propriétaires d'écoles. C'est très bien. Amen. Amen. Il ne faut pas attendre les petites dîmes. Combien on va vous donner? Bizarre. Bon, c'est des dîmes, c'est des offrandes. Mais un homme de Dieu aussi doit donner les offrandes, il doit donner. Vous savez, si Dieu, nous sommes les hommes de Dieu, nous servons Dieu, c'est nos vies que les gens regardent. Quand tu dis Dieu est béni, est-ce que tu as vraiment béni? Est-ce que les gens regardent? Qu'est-ce qu'il a d'abord fait pour toi? Amen. Que Dieu soit béni.
Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, je suis ici pour beaucoup deux activités. D'abord pour la tournée africaine, je suis en tournée. Dans 45 pays africains. J'ai commencé par le Burkina. Depuis le mois de décembre. Alors je vous informe que c'est depuis 28 janvier que je suis en Guinée. 28 janvier, je suis descendu à Conakry. J'ai passé du temps en train de travailler dessus. Sur le projet des Irakoréens. Et après ça, le 16. C'est le 16 que je suis arrivé, c'est fini. Donc, il y a rien pour pas mettre la clé, il y a rien par la main. Alors, ma tournée consiste d'abord. Avec ma fondation, ma fondation Espoir de vie. Fondation est d'accord, il y a rien pour le temps à l'aïe. Ce qui prend des vœux. Il y a pas le cas, il y a rien. Les orphelins. Il y a des cas de blague. Il y a beaucoup de projets. Pour le temps, il y a ces gagnants. Nous travaillons dans l'éducation. Je suis habillé un boubou des pains que les femmes de J'avais géré. Alléluia. Alléluia. Amen. Elles m'ont vraiment honoré. Le vendredi, passons les pieds ensemble. Vendredi, déjà, t'es pas venu pour on a mangé ensemble, tout ça. On a dansé ensemble. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. On aura l'occasion par la grâce de Dieu la semaine qui vient. Nous sommes en train de mettre quelque chose en place. Pour commencer déjà à faire, mettre en place des projets. Avec 200 femmes. 200 femmes. 100 femmes musulmanes et 100 femmes chrétiennes. Et nous allons commencer des choses. Et cetera, et cetera. Amen. Alors la semaine prochaine, à partir du 8 jusqu'au 12 mars, nous serons un séminaire ici. Dieu me parle de cette église. Elle est morte. Je vous explique. Votre église, elle est morte sur le plan spirituel. Vous voyez, dans ma vision, je voyais comme le temple est perforé, je voyais comme des asticots qui marchaient et j'avais, n'est-ce pas, de la moisissure, il y avait de la pourriture dans cette église. Donc, deux fois. La première fois où je venais, l'église était en difficulté. Voilà, je par l'église est en difficulté. À quoi je reviens, l'église est en difficulté. Qu'est-ce qui se passe? L'église doit prospérer. L'église est allée de l'envoi. Alors l'apôtre Paul dit, j'aimerais que tu prospères à tous égards. Quand il crée un prospère, c'est dit qu'il avance. Alors qu'est-ce qu'il fait? Que l'église est toujours à terre. Alors si l'église n'est plus vivante, tous les membres de l'église sont sous une malédiction. Donc l'église a été l'église mounouakée de Kanganam. Qu'est-ce qui se passe? Ce sera que le 8 jusqu'au 12. Nous allons jeûner. Amen. Nous allons jeûner pour l'église. Nous allons jeûner pour la Guinée. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons commencer un programme de 19h à 22h. Il y a ce programme. Invitez tous les malades. Quelqu'un m'a compris? Celui qui est malade, même s'il est sur le point de mourir, il faut l'envoyer. À partir du 8, tous les soirs, de 19h à 20h, ne ratez pas ce programme. La semaine prochaine, je pense bien. Ne ratez pas le programme. Quelqu'un m'a compris? C'est pas normal que tu sois dans le Seigneur. Et quand on regarde ta vie, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu es au même stade, c'est pas normal. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. Alléluia. Amen.
Tu peux encore répéter, c'est pas normal. Comment tu nous fais la réalité? Moi, tu nous fais la réalité. Ça va? Vous-même, vous voyez. 2006. 2006. 2021. Il y a une différence, non? Je ne sens pas 2006. C'est la vérité, il faut que vous me disiez la vérité. Il faut avancer. Celui qui est choqué de ce que j'ai dit, c'est un sorcier. Non, mais je te dis la vérité. Moi, je ne sais pas Dieu, j'ai déjà le ciel. Mais il faut que Dieu me bénisse. Moi, je le connais sous malade et bon, mais il faut qu'il me bénisse. J'ai un principe pour que Dieu bénisse quelqu'un. C'est dans les normes bibliques. Si tu marches selon la parole de Dieu, il te bénit. Si tu vis selon ta parole, il te bénit. C'est comme ça. C'est le principe de Dieu. Alors, en quoi tu sers Dieu? Et ta vie ressemble à quelqu'un qui est maudit. Même mouche n'a pas envie de te dire bonjour. Le livre, tellement que tu es maudit. On te regarde, mais tu ressembles à rien. C'est pas normal. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous êtes choqué. Je vous choque maintenant. Amen. Quand vous regardez l'histoire de la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a tout ce que Dieu a créé, il les a bénis. Nous avons. Il y a un tôle, c'est vrai qu'il faut qu'on appelle l'autre Dieu. Tous ceux qui l'appelaient, il les a bénis. Il y a un tôle, l'autre Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ma bien saisi? Est-ce que c'est un mot, merci? Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Tous ceux qui l'appelaient, il les a tous bénis. Il y a un tôle, l'autre Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand elle a un mot, avocat, j'ai sillonné le monde entier. Non, il y a même un portrait. J'ai parcouru les États-Unis d'Amérique. J'ai rencontré des personnalités. Et ce qui m'a mené au sommet des pays, c'est la puissance de Dieu. J'ai sillonné tout l'Europe, la plupart des pays de l'Europe où je suis installé actuellement. Je lui ai montré le pasteur, les salles, ces 3000, 4000 personnes qui venaient à ma soirée. Ce qui attire les gens, c'est l'onction. Alors, je vais vous expliquer. Un serviteur de Dieu, il sert Dieu. Et que la puissance de Dieu n'accompagne pas son ministère. Non, grâce, je mets son ministère en doute. Alors, peut-être que je vous ai dit, je vais prêcher. Je vous ai dit, je vais prêcher ce matin. Amen. Alors, je vous dis, si tu es serviteur de Dieu, Jésus, ne t'accompagne pas. Tu ne guéris pas les malades. Tu ne chasses pas les démons. Toi-même, tu n'es pas de Jésus. Pourquoi? Avec les preuves bibliques. Moi je parle avec les preuves. Lisons Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17. Pourquoi m'aider là? Vous êtes trop triste ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Après qu'il arrive à ce soir. Vous êtes trop triste ce matin. Je n'arrive pas à vous comprendre. Pourquoi vous êtes triste? Il n'y a pas qu'à y avoir. Jésus est vivant ou n'est pas vivant? Jésus quand pour ma couple. Il est vivant ou il est mort? Il est vivant ou il est mort? Il est vivant! Très bien. Après, vous laissez un cri de guerre. Je vous laisse ça ici. Je vous laisse un cri de guerre. Ça vient. Marc 16, le verset 17. Oui. Voici les pirates qui accompagneront ceux qui auront. Très bien, tu t'arrêtes là. Jésus dit, ceux qui vont me servir. Il a pas contre lui. Ceux qui vont me servir, il a pas contre toi. Il y a quelque chose. Maintenant, le fait que on va remarquer qu'ils seront mes serviteurs. Maintenant, capable gagner, Dieu pour des biens de carbone pour que moi. Comment on reconnaît un policier? Ta policier connaît. Comment on le reconnaît? La connaît. Reconnaît? Et ça tenu? Mon regard. C'est tout.
Tu dis tes serviteurs de Dieu. Tu dis voici les miracles qui accompagneront. C'est-à-dire tu es serviteur de Dieu. Si tu as cru en Jésus, les miracles, il y a là. Celui qui a malé de l'impôt. Son fait que Jésus dit, allons-y, poursuis. À mon nom, ils chasseront les démons. Pasteur Roger. Avec ton nom. À mon nom, ils chasseront les démons. Il dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Ça la route campagne de la terre. Si tu as cru en Jésus, il y a la serviteur de l'éternel, tu dois être capable de chasser les démons. Mané est là à nuit à Paris, il est là. Reprends. Il dit quoi? À mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Une église où on ne chasse pas les démons, les démons sont présents. Une église où on ne chasse pas les démons, la vie des chrétiens sont bizarres. Une église où on ne chasse pas les démons, c'est caractérisé par les maladies. Une église où on ne chasse pas les démons, il y a des maladies bizarres qui arrivent. Pourquoi? Parce que derrière toute activité se cache un esprit. Quelqu'un m'a compris? C'est pour cela que Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Dans mon ministère, il y a eu des personnes 20 ans de folie. Le Seigneur m'a utilisé en moins de 10 minutes. Ils ont retrouvé leur sens. J'ai ma chaîne juive. Vous allez, c'est le prophète. Je vois nous pour le blanc. J'ai 112 000 abonnés sur YouTube. Regardez, allez-y, regardez tout ce que je dis. Tu es serviteur de Dieu. Tu ne chasses pas les démons. Tu as un problème. Tu as cru en Jésus. Yala c'est cela. Tu n'arrives pas à chasser les démons. Yala c'est cela. Pas mais t'as carré. C'est biblique, hein? Car l'identité des chrétiens. C'est l'identité. Voici le miracle. Quand les gens disent, vous, les gens courent derrière le miracle. On n'a qu'à courir derrière toi ou derrière ta maman. On n'a qu'à courir derrière ta maman. On n'a que toi même. Le salut est un miracle. Nous m'avons la carte. Non, on peut dire le miracle. Bon, on est malade là. Qui va nous guérir? C'est ton papa qui va nous guérir. Tous ceux qui résonnent comme ça, c'est des sorciers, c'est des pasteurs sorciers. Nous, il y a d'ailleurs. Qu'est-ce qui a tiré le regard de Jésus? Le regard qui faisait que les gens venaient à Jésus. Ça veut dire que nous, tu n'es pas ce bon. C'est pas autre chose. Elle se met à quoi? Pour que tu vois. Il y avait une doctrine. Il y avait la doctrine mosaïque. Ils avaient une doctrine. Mais ce qui fait la différence entre Jésus et eux, c'est le ministère de puissance qui accompagnait Jésus. Jésus, voilà, vous courez derrière un miracle. On doit courir. Moi, s'il n'y avait pas de miracle, je n'allais jamais croire en Jésus. Je reprends. Si Jésus ne faisait pas de miracle, moi, j'allais pas croire en Jésus. À quel sens que par même que tu es désolé. Veille par là. Le miracle, c'est quelque chose de très surnaturel. On n'a pas forcément besoin d'un miracle, forcément. Mais un miracle, il peut être un miracle de guérison, après, il peut être un miracle financier, après, parce qu'un miracle, après, c'est quelque chose de surnaturel. Par le Dieu, yala, c'est le miracle. Car par le yala, c'est lui le cœur. Il y a pas à terre, nous pas. S'il est quelque part, monsieur, on ne téléphone pas à l'église. Coupez ça, c'est une sale habitude. Vous pouvez faire ça devant le préfet. Ce que vous allez faire, vous pouvez faire ça devant le préfet. Vous pouvez faire ça devant le maire. Coupez tous les téléphones. Ah, nous ne payons pas pour moi. C'est une seule habitude. Quand vous êtes à l'église, coupez les téléphones. Okay, c'est Dieu seul. Soyez bien éduqués quand vous êtes à l'église. Mané, vous ne pouvez pas être à l'église être sur Facebook. C'est de la sorcellerie. Eh bien, église, mon. Il dit j'honore celui qui m'honore. Honore Dieu. Là. C'est pas comme la prière. C'est dans la manière le comportement. Il y a la main où il va être trop. Si vous n'honorez pas Dieu, il ne va pas vous honorer. Si vous ne le respectez pas, il ne peut pas vous bénir. Fermez votre téléphone. Parce que Dieu est grand. Parce que si vous ne fermez pas, c'est ce que le Dieu l'a fait tout de suite. Ils l'ont appelé la décrocher. Oh, il a l'église. Ah ben, église, vous. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Je continue ou bien j'arrête? Là ou bien, allons-y. Parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents.
Il n'y a pas eu guérison, il y a besoin de la main, malades seront guéris. Tu n'as pas vu ça là-bas? Allons-y, 18, allons-y. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Mm-hmm. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Viens en anglais, s'il te plaît. Emilienne, c'est ça, non? Mm-hmm. Viens. En anglais, le verset, en anglais. Oui. 17 à 18. Amen. Amen. Mark 16:17. And these signs shall follow them that believe in my name, shall they cast out devils. Believe in my name, c'est-à-dire celui qui croit en mon nom. They shall speak with new tongues. Oui, ils vont parler de nouvelles langues. They shall take up serpents. Ils vont attraper des serpents. And if they drink any tainted thing, ils boivent des breuvages mortels, c'est la bataille. They shall not hurt them. They shall lay hands on the sick. And they shall recover. Ils vont imposer les mêmes malades, les malades vont guérir. Alors, le verset nous dit quoi? Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, il y a un signe qui doit accompagner le véritable croyant. Donc, donne le micro, laisse. On va bien saisir. Kanyaka. Amen. Amen. Qui parmi vous a déjà prié pour un malade de guérir? Qui? Moi-même, je mets ta croyance en doute. Donc, ça veut dire moi, Casso, je mets même ton histoire de Jésus en doute. Il ne vous croit pas. Car, et moi, car nous dit, toi, t'es chrétien, ton voisin est malade. Il vomit sur moi. Il a coco. Et par car nous, le délire. Pour la moitié, il y a une yoga. Tu es quelqu'un de moyen parle. Où est le signe qui t'accompagne? Mais parle le bébé et pour. Amen. Amen. Ça va? Voyaga. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas resté dans le tombeau. Ce qui a fait ressusciter Jésus. C'est la puissance de Dieu. Y a là mon roi là-bas. Nous n'adorons pas un Dieu faible. Nous adorons un Dieu tout puissant. Quand Jésus est dans un endroit, toute maladie, je prie, je répète, toute maladie doit fuir. Oui. Je répète, quand Jésus-Christ est dans un endroit, fuir le péché, toute maladie doit s'éloigner. Parce que Isaïe dit, c'est pas se mettre sur Jésus que nous sommes guéris. Jésus est la guérison. La femme dit, si je pouvais seulement toucher le bord de ses vêtements, je serais guéri. Elle a gaspillé son argent pendant 12 ans. 12 ans qu'elle a touché la guérison de Jésus que nous prêchons. Elle a été guérie, frère. Je veux dire, elle est malade, ou un grand pour la caméra que les tiens. Mais quand elle me demande à tout le monde, on est au Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Le Seigneur. Là où il est, il se démontre comme tout puissant. Est-ce que tu as vraiment cru en lui? Marc dit, voici le miracle. Tu es l'ambassadeur de Jésus. Pas ambassadeur. Donne le drapeau de Jésus. Le miracle. Chassez les démons, amenez la vie. Quoi caractérise ta vie? Mané, quand vous voyez les coups. Quelqu'un m'a compris ce matin? Wanyaka. Tu es quel genre de chrétien? Quand nous, ou les baillons. Quelqu'un possédé, tu fuis. Quelqu'un épilepsie, donc tu fuis. Nous, par avant, il y a plein. Quelqu'un en sorcellerie, tu fuis. Né, t'as quelqu'un paralysé, tu fuis. Né, par exemple, il y a pour moi. Avec les prévenus. Avec la prova. Marc 10, le verset 8. Marc plutôt, Matthieu 10, le verset 8. Matthieu Pau. Il n'a pas un troisième micro. Il n'a pas un troisième micro. Micro. Un micro.
Oui. Matthieu 10, le verset 8. Activez le troisième micro. Comme ça, le pasteur a son micro. Et celui qui lit. Matthieu 10, le verset 8. Guérissez les malades. Il dit, guérissez les malades. Comme ça, il faut répondre. Ressuscitez les morts. Il dit, ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Purifiez les lépreux. J'arrête là. Amen. Regardez. Matthieu 10, verset 8. Matthieu peut. Jésus dit, allez, guérissez les malades. Je vous en ai guéri les malades. Purifiez les lépreux. Il a ressuscité les morts. C'est long. De la main, il dit, allez évangéliser, il dit, allez guérissez les malades. Je dis, allez les guérir. Quelqu'un m'a bien compris. Vous êtes trop triste ce matin. C'est comme ça vous êtes. Vous êtes mort spirituellement. Jésus dit, ceci est bien toi. Yeah. Tu dois les guérir les malades. Vous savez, les seuls choix. Dieu guérit. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Jésus guérit. Amen. Les hommes soient. Nous avons Jésus nous a le cœur. Jésus veut accorder. Avec guérissez les malades. Jésus est ma carte. Quand nous avons purifié les lépreux. Quand le cas de tu as cru en Jésus. Et là, Jésus-là. Qui a cru en Jésus ici? Qui est chrétien? Oui, mais gars, car nous les chrétiens, levez la main. Les chrétiens, levez la main. Il y a des cas car les chrétiens, levez la main. Levez-vous les chrétiens. Vous êtes sûr que les chrétiens. Vous êtes sûr que vous êtes chrétien? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Vous êtes sûr? Alléluia, cette parole que nous venons de lire, ne s'adresse pas aux païens. Dieu ne parle pas aux païens. Il y a un problème, ça a les païens pour eux. Ça peut être chrétien. Et chrétien à qui Dieu parle. Il dit. Allez guérissez les malades. Est-ce que tu le fais? Tu fais ça? Vous ne répondez plus? Est-ce qu'il y a quand même un blague pour les pneus? Vous ne répondez plus? Tu guéris les malades? Il y a quand même un blague pour les pneus? Alors tu pêches. À quoi vous regrettez? Parce qu'il te donne l'ordre, il dit va. Quand malade, tu voyais lui. Et quand tu ne réponds pas à l'ordre, tu ne respectes pas. La parole donnée, oh le péché c'est la désobéissance. Les gens ils pensent que le péché, non, il a bougé peut-être pas, il a changé par l'état. Le péché, c'est la désobéissance de la loi de Dieu. Tu vois quelqu'un qui est malade, tu le dépasses. Oh, Jésus il va guérir les malades. Il dit va guérir les malades. Il dit va guérir les malades. Combien de fois vous regardez les gens mourir sous vos yeux, or vous avez l'autorité, le pouvoir de Christ. C'est pas toi qui guéris. C'est Jésus qui guérit. Jésus va la couleur. Il dit, ah non, il n'a pas du tout le tien. Moi j'existe. Fais-le. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Ça va? Jésus. Amen. Quelqu'un ne doit pas être tiède. Il dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, vous êtes tiède comme ça. Vous avez mangé du riz matin, vous avez foutu manger. Alléluia. Alléluia. Tu as une fois prié pour un malade et le malade a été guéri. C'est qui? C'est un problème. Problème, Gadi. Le maire dit allez.
guérissez les malades. Parce qu'on dit allez parler de Jésus là. Lui-même dit allez guérissez les malades. Et toi tu es assis. Et tu ne fais pas ça. Et tu pêches. Et je comprends pourquoi ta vie est morte. Tu n'as pas de vie, tu n'as pas de vie spirituelle. Ni vous, oui, ni vous, ni vous. Nous voulons pourquoi? C'est ça que ta vie est bizarre. Amen, amen. 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 On lit la parole. Okay, y'a là, okay. Moi, si tu ne guéris pas malade, je ne mange pas quoi. C'est ma discipline à moi. J'étais là jusqu'à. Tu parles de Jésus. Est-ce que Jésus ne m'aide quoi? Il y a quelqu'un qui va démontrer ça. Il va démontrer ça. Il va démontrer ça. Luc 10, verset 9. Luc 10, verset 9. Luc 10, verset 9. Luc 10, verset 9. Ça va? Qui est béni par la parole? Bébé, galois, bébé, yalangéhou. Bébé, galois, loua, loué. Bien, ma carrière, yalangéhou. Je ne veux même pas mettre un peu. Qui est béni par la parole? Bébé, yalangéhou, loua. Dieu va réveiller quelque chose en toi. Amen. Avant que l'équipe misère collée, le manteau de la pauvreté va tomber sur ta tête. Alléluia. Tu seras délivré du pouvoir de la pauvreté, de la malédiction et de la sorcellerie. Dieu t'a pas appelé pour jouer avec toi. Le Seigneur t'a appelé pour te donner non seulement le salut, mais pour te bénir. Il dit tu mettras la différence entre toi et celui qui ne sait pas. Il y a une différence entre toi qui sait Jésus et celui qui ne sait pas Jésus. Mais encore que Yalaba, il ne te prend pas du loin. S'il n'y a pas de différence, celui qui ne sait pas Jésus prend pas au sérieux. À quelle différence au noir. Amen. Il me coule bas pour faire Jésus. Je ne vais pas aller demander à un païen. Toi, tu es pas un pasteur ou tu es chrétien. Et toi, tu es un païen. Tu vas le tu vas mendier. Tu fais comme le pauvre Lazare. Donc, il y a. Alléluia. Le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare. Il allait manger ce qui tombait à la table du riche. Ni regard qu'il y avait. Lazare, les deux sont morts. Ils sont tous partis, mais le riche est parti en fait. Parce qu'il cherchait toutes les femmes. Il était arrogant, il était bizarre. Lazare allait vers Jésus. Lazare allait au paradis. Le riche allait en fait. Le riche, j'ai pour d'elle, il voit Abraham. C'est ma catégorie, c'est mon ami. Parce qu'il est riche, je suis riche. Abraham. Mais qui est à côté de lui là? On dit le pauvre Lazare, mais c'est pas possible. Et il dit, Père Abraham, faut envoyer Lazare, m'envoyer de l'eau et un bois. Ouais. Quelqu'un dit d'aller se reposer et puis on l'envoie. Quelqu'un qui allait te reposer au paradis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie de Lazare n'a pas impacté le riche. Il me travaille. Lazare dit qu'il y a la croquette. La vie de Lazare n'a pas impacté le riche. C'est quoi donc le riche l'a vu comme pauvre. Et c'est quoi dans le cahier de Rona? Mais s'il lui dit Jésus est Seigneur, il va dire c'est toi Jésus est Seigneur pour toi seul. Pas pour moi. Mais pour toi Jésus est Seigneur. Il m'a dit c'est ce qu'il m'a dit. Et après, du pauvre de Lazare. Le riche allait en enfer. Et Lazare dit qu'il y a la prédication, il y a la parole qui peut toucher quelqu'un. Il y a son témoignage qui peut envoyer les gens à Jésus. Le païen doit savoir qu'il sert Dieu. Je reprends. Le païen, il doit savoir. Que moi, Crasso, je sers Dieu. Nous sommes dans un monde où les gens ont besoin de preuves. Qu'est-ce qui prouve que tu sers Dieu? Tu dois toujours porter la même tenue bizarre comme Gargamel.
Il faut avoir même du riz pour manger, il y a problème. Lui nourrit l'oiseau, pourquoi il ne te nourrit pas? Je donne pas rassasié. Est-ce que tu es vraiment son enfant? Amen. Oiseau, il est rassasié. Toi, tu as fait pour dormir. La nuit, il devient sorti, tu penses en moi. J'ai traversé le champ de quelqu'un, il y a vu sa banane nue. Toi, ton esprit allait au champ la nuit, là. Hein? Dans le champ de régime, il y a des bananes, tu veux où? Il y a des bananes, ça arrive. Et à une heure du matin, c'est dans la brousse. Attends, elle a coupé le régime voleur. La Bible venait à l'église, dit Seigneur, c'est merveilleux, le Seigneur est merveilleux. Vous avez confessé, Seigneur, il a fait. Il n'y a pas d'église, mais mon amour, quand il y a une menelle. On t'attrape avec régime des bananes, tu es diacre. Un diacre a un régime de bananes. À 3h du matin, diacre, tu fous quoi là? Amen. Non, c'est-à-dire que un diacre. Réfugiez ça dans votre vie. Le demande. Réfugiez, je refuse la pauvreté. Dis encore, je refuse la pauvreté. Garde les yeux là-bas. Amen. Amen. L'or et l'argent partent à vos dieux. Alléluia. Amen. Il dit, c'est vous qui mangerez les meilleures provisions du pays. Il y a des ici à Zéré pour être vous. J'allais manger les bons choses ici. Car vous m'avez fait ça pour prenez les gammes. Vrai faux, c'est parce qu'il a dit. Répondez-vous. Oui. Il y a combien de voitures ici du matin? Il y a combien de voitures? Non, je vous choque. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il le choque. Or, tout ça, il y a un moyen de luxe. C'est vrai que mon séminaire, il ne faut pas rater ça. Je vais vous expliquer. Moi, je cherche toujours l'argent au lieu de venir. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un n'a pas l'argent, il est vilain. Oui, elle est moche. Il n'a qu'à voir l'allée, il est vilain, mais il est joli à côté. L'allée, on est joli. Sans argent dans ce monde, on ne peut rien. C'est ça que Dieu va te donner le salut, il va te bénir. Alléluia. Alléluia. On demande d'entrer temps de faire le business. Amen. Amen. Alors Matthieu 10, non, Luc 9, 10, verset 9. Luc 10, verset 9. Guérissez les malades. Il dit guérissez les malades, il n'est pas là-dessus. Guérissez les malades. Ce matin. Amen. Amen.
Il dit guérissez les malades. Il y a des cas le verset. Tu te permets pour maman vous blesser. Luc 10, verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et dites-leur que le royaume des cieux s'est approché de vous. Alors, on va le micro, je vais lire. Elle va me lire en anglais. Quand tu as la main à l'heure, quand tu peux répondre. Vous comprenez? Ça vous fait du bien? Amen. Dieu va vous répondre en chanson sur vous ce matin. Amen. La puissance de Dieu va descendre ce soir et aujourd'hui et l'Esprit va te rendre. Amen. Amen. Heal the sick. Il faut bien se rester dans. Alléluia. And heal the sick that are within, and say unto them, the kingdom of God is come near unto you. Amen, c'est ça. Guérissez les malades et dites que le royaume des cieux est proche. Quand vous parlez pour nous, quand Dieu, il y a d'abord la main. Il dit guérissez. Quand vous parlez pour nous. Pourquoi vous ne les guérissez pas? Quel est le problème? Quel est le problème? Mais il y a pas de. Tu es vraiment croyant? Tu as vraiment cru à la puissance de Dieu. Il y a là, c'est ce que je vois. Cette parole et l'évangile ne s'accomplit pas dans ta vie. Le bouquin, il y a là où là, ma foi, il brûle. À Paris, on m'envoie quelqu'un, un Congolais. Et quel Paris, de pas un Congolais d'abord. Il avait un diabète. Diabète, c'est comment? Et quand vous avez diabète, quand vous avez une plaie, ça ne finit pas. C'est pas ça? Diabète, c'est ça. Diabète, c'est ça. Par là, après. Alors, le monsieur. J'en ai dit. Il a eu plaie au pied. Pareil que pour moi. Ce que je vous dis, allez sur mon YouTube. Le frère de Joël Crasso. Une personne guérie miraculeusement dans l'église de Paris. Une personne guérie miraculeusement dans l'église de Paris. Le titre de Joël Crasso. Sur YouTube. Vous allez voir la vidéo. Et vous allez prendre vos palmes. Alors, YouTube. Alors, pour le soigner, on met. Il y a un appareil qu'on appelle barreau. C'est-à-dire qu'on le met en place. Son pied. Et puis il est couché sur le lit, et puis l'homme nettoie sa plaie. 24 heures sur 24. De quel navire, et puis du malade à la il y a comment. Alors, ils essaient de soigner. Mais à un moment donné, ils ne savent plus apprendre le pied. C'est comme ça. Parce que s'il ne coupe pas, ça va devenir du cancer. Laisse le pour votre. Alors, il a entendu parler de mon ministère. Oui. Je ne joue pas avec le ministère de guérison. Va y la gloire. Amen. Je ne joue pas avec ça, frère. Non. L'église qui ne guérit pas les malades. Jésus absent de cette église. Je reprends. Une église qui ne guérit pas les malades. Jésus dit est absent de cette église. Jésus est dans l'église. La femme dit. Si je pouvais toucher son vêtement, seulement, je serais guéri. Elle n'a pas les négociés à Jésus. Elle a touché le vêtement de Jésus. Parce qu'il est la guérison. Elle a été guérie. Jésus veut appeler. Tu peux guérir les malades. C'est parce que tu ne crois même pas que tu es en Jésus. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. Tu n'as pas besoin d'un prophétesse. Tu n'as pas besoin d'être un prophète. Si tu as cru en Jésus. Tu as cette capacité, le pouvoir de guérir la malade. Tu peux me dire Amen. Mais il n'y a pas non. À quel âge cela n'y a pas le problème. Le prophète Crasso. Amen. On envoie la prière. Je le regarde tout droit. Et je lui pose la question. Tu veux guérir? Il dit oui. Je lui dis aujourd'hui même. Tu seras guéri. Il marchait au bâtard. Quand je l'ai touché, par-dessus l'onction, elle est tombée. Frère, l'onction que vous voyez là, c'est l'approbation de Dieu. Quand Dieu t'approuve, quand Dieu approuve ton ministère, il te donne l'onction. Il te donne sa puissance. Je t'avais bien compris. Alors, j'explique. Jésus, pourquoi
commencer le ministère, il avait 40 jours de jeûne sans manger ni boire. Parce que il voulait commencer le ministère sous la puissance de Dieu. Et Moïse l'a fait. Vous allez sous la montagne, il monte sur la terre. Vous le laissez 40 jours. Quand il est descendu, on ne pouvait plus regarder son visage. Vous jouez avec l'onction. Pour ça que vos vies sont bizarres. L'onction, c'est la matière qui chasse la pauvrité. L'onction, c'est la matière qui pétrit le monde des ténèbres. C'est ça que quand vous voulez demander à Dieu sa puissance. Je regarde le temps. Quand il s'est levé, il dit tu es guéri. Il a pensé à courir. Il est rentré aujourd'hui à la maison. Le lendemain, la place est chute. La vie est sur YouTube. Je l'ai donc. Le Seigneur qui vient, je vais vous montrer la série de guérisons miraculeuses. Vous allez voir, nous sommes en train de traverser les vidéos. Je vais vous faire projeter ça ici. Vous servez quel Dieu? Vous servez quel Dieu? Tu sais quel Dieu? Qui est quelqu'un à côté de nous? Il prie, mais il ne mouche pas. Ils sont venus demander à Jésus. Disaient, est-ce que c'est toi vraiment qui dois venir ou on doit attendre quelqu'un d'autre? Jean-Baptiste, mon clara, parce que Jean-Baptiste est en prison. Tu es marié, je suis en prison, il ne fait rien pour moi, si c'est vraiment lui. Jean-Baptiste, regardez ce que Jésus va dire aux disciples de Jésus. Car le temps, Jésus n'a pas noué. Jean-Baptiste, mon clara, tu es arrivé. Matthieu 11, le verset 5. Les aveugles voient. Alors, voir le verset 1. Le verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. Est-ce que c'est lui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre? Jésus leur a répondu. Très bien. Regardez comment il leur a répondu. On dit leur répondu. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez. Ce que vous attendez et ce que vous voyez. Ce que vous attendez et ce que vous-même vous voyez. Alléluia. Amen. Seigneur, sanctifie ce que vous voyez et ce que vous entendez. Allez lui dire ça. Allez lui dire ça. Vous voyez et vous entendez. Vous me dites, frère, la véritable église, le ministère qui n'exerce pas un ministère de délivrance et guérison, ce ministère-là, je le mets en doute tout de suite. Église de paix ou ministère de paix de rapportez ce que vous voyez et entendez. Au verset 5, les aveugles voient. Il dit les aveugles voient, vous voyez, mais les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les boiteux marchent. Les lèvres sont purifiées. Les lèvres sont purifiées. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il allait dire ça. Alléluia. Amen. Ce qui caractérisait le ministère de Jésus, c'était son identité. Il nous parle à Jésus. Donc, Jésus a dit ça. Allez leur dire ce que vous voyez. Ce que vous-même vous voyez. Priez pour les malades. Mais c'est de Dieu. Je reprends. Priez pour un malade dans des églises, dans une église, ou bien dans une cellule, ou bien dans un quartier, c'est de Dieu. C'est quand tu ne fais pas que tu as un problème. Il dit, allez leur dire. Les malades guérissent. Les boîtiers marchent. Même les morts sont ressuscités.
C'est le signe de reconnaître le Christ. Or, nous sommes petits Christ. Quel est le signe qui permet aux gens de reconnaître réellement que tu es du ministère de Christ? Quelqu'un m'a bien compris. On peut acclamer la puissance. Ce qui me fait voyager dans les nations, c'est l'onction. J'ai raconté des personnalités dont je ne dirai pas le nom. C'est mettre en genoux devant le nom que je suis. À cause de la puissance de Dieu. J'ai transformé la vie de Divo où je suis. J'étais d'abord à Abidjan, je suis allé m'asseoir à Divo, frère. À Divo chez nous, à Divo, c'est là où se trouve la plateforme de la sorcellerie. C'est comme ici en Guinée. Vous serez courageux. Vous savez, là où il y a la richesse, c'est là-bas où la sorcellerie vient. Je reprends. Là où il y a les bonnes choses, c'est là-bas la sorcellerie va s'asseoir. Oh, ma zone de Divo où je travaille, c'est la zone minière. Il y a 4 sociétés d'or. L'exploitation de l'or. Et dans cette zone-là, je l'ai dit là, se trouve la, c'est la haute sorcellerie. Ça dit les sorciers, moi je trouve Tobodji, Jeff Jeff, Mira, Foutou Plakali, Sangren, Sosarachi. Amen. C'est comme ici, le courant il va à minuit. Bon, à minuit, il y a pas de minuit. Est-ce qu'il y a un courant à lui? Pourquoi vous n'envoyez pas le courant de minuit jusqu'à 6h? Vous n'avez pas de 18h jusqu'à minuit. Vous coupez. Bon. Qu'est-ce qui se passe à minuit? Oh, nous savons que minuit là, il y a des gens là-bas qui mangent. Ah, tu sais, je sais. Nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, et ils font travers de la rue. Mais quand on s'appelle Souban, mais quand on pas là, 18h, il y a le. Bon, laissez après des. 19h jusqu'à 18h, minuit, donnons-nous minuit jusqu'à à 6h, c'est la même chose. Mais malgré que des ponts, vous ne pouvez pas voir ça, on a 6h. Quand même, vous n'avez pas posé une question comme ça, vous allez bien dormir la nuit, combien? Quand on a dit quoi? Comme ça, la nuit, tout marche. À quand même, quand on dit à minuit, on envoie courant. Vous ne pouvez pas voir ça, eux, ils sont contents. Ils prennent des sous. Ils vont marcher, ils vont manger. Bien, économie. Ça, il y a le message de ça. Ce qui me serait courant en état, c'est la sorcellerie. Ce qui bloque la région, c'est le pouvoir de la sorcellerie. C'est comme ça chez nous, ça existe. Le mal de la crise, c'est la sorcellerie. La sorcellerie n'aime pas le développement. Je suis arrivé dans cette zone. Tout était bloqué. Nous avons pris du temps pour prier. Les choses ont commencé à se débloquer. Ils envoyaient chaque sorcier dans chaque région. Pour m'attaquer. Je suis en train de prêcher. Et puis je vois quelqu'un qui tombe derrière vous. Oh, je dis, c'est quoi? Il dit, je suis venu te tuer. Et je ne veux pas te tuer. Je ne veux pas me tuer. Je te fais quoi? Devenu gaillard. Et puis chez moi, eh bien, on appelle ça la violation entre mes yeux. Bon, gars, même s'il si n'est pas fort, folie. Quand même. Mais même s'il n'est pas fort, chez moi, t'as même tué. Oui, toi. T'as dit lui-même, Dieu est en train de chicoter. Mais dis-moi, il est tué. Ah, il y a quelqu'un, il y a un gars, il y a un gars. Il m'a dit, mais j'ai vu mon propriétaire, celui qui est mon patron, il t'a mis à terre. Mon patron, d'abord, il a parce que dans cette région, ne s'amuse pas. Demandez encore du voile, les là, ce sont dans la roche. Dieu m'a utilisé pendant le temps. J'ai maté la chance. Aujourd'hui, on le butu. Aujourd'hui, le pays, la vie est développée. Jusqu'à le maire de ma vie est devenu ministre. Alléluia. Est-ce qu'il y a pas une loi, c'est Zuba? Il s'appelle M. Amédée. Amédée Kouakou. Il est ministre. Hier même, j'ai parlé avec lui au téléphone. Il était malade. Paralysé, on l'a envoyé en France. De la France. Il m'a cherché, c'est moi qui ai prié pour lui. Les médecins, ça ne va plus aller. Il
priez pour lui. Voilà, le lendemain, c'est le même. Si aujourd'hui, je ne joue pas mon ministère. Ah, après, je ne joue pas mon ministère. Après, quand il y a la colère. Toujours, quand il me met au téléphone, il dit merci pour tes prières. À deux là, il dit, mais maman, on va le voir. Les autorités de la vie vont vous respecter à partir de l'onction. Le corps pastoral. Non. Ils ne vont pas vous respecter parce que vous êtes corps pastoral. Ils ne vont pas vous respecter parce que vous avez la carte pastorale. Le jour où vous commencez à vous prendre au sérieux, c'est ce que Dieu fera à partir de vous. Quand je rentre à Divo, les gens savent que quelqu'un est rentré. Vous savez, on m'appelle Maréchal. Vous ne savez pas. Maréchal. Vous allez voir Maréchal là ici. Maréchal, là, vous allez voir ça ici. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit, allez dire, les boiteux marchent, les paralytiques, les gens sont guéris, et les morts sont ressuscités. Allez dire ça à Jean-Baptiste. C'est ça l'identité de Christ. Où est l'onction qui est dans ta vie? Une église où Dieu ne se manifeste plus. Une église où on ne sent plus la puissance de Dieu. Une église où Dieu ne parle plus. Posez-vous la question. Dieu n'est plus là. Je ne peux pas vivre dans une église où Dieu ne parle pas. Je dis pourquoi alors? Jésus dit dans Actes chapitre 1, le verset 8. Jésus est un acte. Vous recevez une puissance. Et vous serez mes témoins. Vous allez recevoir la puissance. La puissance, c'est le pouvoir, l'autorité. Et vous devenez mes témoins. Pourquoi? Le même pas. Parce que nous devons témoigner de la puissance. Un témoin, c'est un détenteur de preuves. Il attend des preuves. Tu es témoin de temps. Il a des preuves. Toi, tu es témoin de Jésus. Où sont les preuves? Tu ne peux même pas chasser un démon. Ton mari est malade, tu ne peux même pas prier pour sa guérison. Ta femme est malade, tu ne peux même pas prier pour sa guérison. Tes enfants sont possédés, tu ne peux pas les délivrer. Tu es quelqu'un de la veille. Ressaisis-toi. C'est quelle chrétienté plate on a? Alors, quand tu fais partie de beaucoup d'appelés, donc Jésus va t'appeler, il va te rétrancher, c'est ça? Donc, quand nous pouvons dire que le loyer est capable de neiger, tu vas au marché, et la femme qui est à côté de toi, elle fait petit, ça prend tes marchandises, et puis, pour elle marche, pour toi, elle ne marche pas. Il y a le pain, et on est là, il y a pas le cœur, on va le là, moi, il y a marché, moi, il va marcher. Le cas, quand nous le même pas. Alléluia. Alléluia. Eh bien, tu vas dire, bon. Vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Quand les disciples ont reçu la puissance de Dieu, regardez ce qu'ils vont faire. Le verset 1 à 9. Ça va? Est-ce que le message passe? Est-ce que vous gagnez à gagne? Il ne suis pas là pour longtemps. Amen. C'est le petit moment qu'on va passer ensemble. Nous voyons, papa, qu'il y a des problèmes. Je vais te délivrer de beaucoup de choses. Capable de t'amener, c'est cela.
Actes, le chapitre. Acte 3, verset 1 à 9. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Très bien. Il avait un homme boiteux de naissance. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Reine. On portait tous les jours là. Pour qu'il demanda le monde à ceux qui entraient dans le temple. Il demande de l'argent. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda le monde. Il leur a demandé l'argent. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Ils l'ont bien regardé. Et dit, regarde-nous. Il dit, regarde-nous. Et ils les regardaient attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il les a regardés attentivement. Alors, attentivement, ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'attention. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Alléluia. Il dit, je n'ai ni argent. Je n'ai ni argent. Écoutez. Vous voyez. Je n'ai ni argent ni or. Même ce que j'ai. Mais c'est du cher. Je te le donne. Alléluia. Non, que je lui donne. On ne donne que ce qu'on a. Je répète, on ne donne que ce qu'on a. Quand tu n'as rien, tu n'as rien donné. Amen. Je répète, on ne donne que ce qu'on a. Donc ceux qui ne prient pas pour les malades, ils n'ont rien. Ils n'ont pas l'onction. Je n'ai ni or ni argent de donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Alléluia. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. C'est fini. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devaient faire. Alléluia. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Gloire à Dieu! Je n'ai ni or ni argent de donner. Je n'ai ni or. Ni argent. C'est la puissance de Dieu à moi. La puissance de Dieu. Qui a participé à la création de la terre. La Bible déclare. L'Esprit de Dieu. Au-dessus des eaux. C'est cela que quand vous avez la puissance de Dieu. Cette puissance créative vous donne la capacité. De guérir les malades. D'opérer pas mal de miracles. En 2014, il y avait un jeune homme qui était musulman. Il venait d'avoir ses papiers français. Un an. À 8 mois. Il est dans le bus, il avait tous ses papiers. Il avait son passeport. Il descend ses papiers. Nous, on vit en Europe, on sait que ce qu'elle fait, il n'est pas de papier. On n'a pas de papier en Europe. Même le chien, il est important que toi. France, il avait via la matière. Là-bas, c'est papier. Ils sont prêts à marcher, n'a pas papier, ça fait rien. Ils savent qui habite dans telle maison. Qui. On nous connaît. Le colon, il va parler de nous. On nous connaît. Même diagonale de quoi? Si vous voulez aller en Europe, il y a quelques couleurs. Vous voyez, si vous aurez papier. Mané, si vous n'avez pas papier, il n'y a pas de travail. Bon, a. C'est quoi? Regarde là. Il a perdu, il a cherché. Il y a quoi? Son esprit dit, mon frère, c'est dans le métro. Métro là, c'est comme train. Vous connaissez train? Train, métro, c'est. Je ne sais pas comment je vais expliquer. Mais c'est métro. Je ne sais pas si il y a un nom en France. Tiens, c'est métro. Hein? Métro, en France, ça c'est rapide. Je prends quand même train. Voilà, c'est train. Ça prend. De toute façon, il y a bus là. Bus, c'est train, métro. Ah. C'est perdu, ils ont volé ça.
Ah, nous m'en avons moi. Rendez-vous. Il me contacte. Il y a deux mois après. Elle n'aimerait pas. Il pleure, il pleure. Il m'a dit, il voit, arrête. Il y a le venait pour nous. Il a dit, c'est parti avec son nom. Arrête. Il y a tiré le gars. Il y a rien. Et son nom, dis-toi. Il va revenir au pays. Il dit, Galaga, mon hibou, Galaga. Et son nom, prenez pas pour pris dans sa poche. Gala a pire. Et puis il a jeté. Gala est même un mot. Le lendemain, il a perdu ses papiers. Il est mort, un mot. Robert dit, Mohamed Pri. Oh, je lui ai dit, tu vas retrouver ça. Même un mot, Gala Pri. Amen. Amen. Je lui ai dit, tu vas retrouver. Même un Gala Pri, moi, avant la mort. Alléluia. Je lui ai dit, parole de prophète. Tu retrouveras tes papiers. Que tu es capable, Robert. Parce que je crois la puissance de mon Dieu. Je crois la puissance de Jésus. Je sais de quoi je suis capable. Mais quand lui, c'est toi après ma main. Il me s'est perdu. Il m'a mené à plus. Il y a un miracle qui va te visiter. Que ma parole t'a capable de me prier. En ce moment, il n'y avait pas WhatsApp. WhatsApp pour que. Il y avait Skype. Skype, c'est ceux qui sont habitués à tenir Skype, c'est sur l'ordinateur. Ordinateur, le gars. Il m'a contacté via Facebook. Il m'a donné mon numéro, j'ai parlé avec lui. Je lui ai donné ma demande une semaine. Je n'ai pas de temps, donc j'ai programmé son rendez-vous. Et quand lui et moi, c'est pris. Mais là, quand il a pris, quand il a regardé. Mais non, je lui ai dit. Comment? Je sais que tu es musulman. Ça ne m'empêche pas de prier pour toi. Il va devant, il va voir le mais celui que je prie. Mais quand il est là, il est puissant. Voilà, tout de suite. Oui, oui. Il va te montrer un miracle. Quand pas parle de ta lèvre. J'ai levé ma main. Je vais commander à la sorcellerie. Non, voulu. De le lâcher. Ni pas niveau. Il a commencé à tomber sur la puissance de Dieu. Il a promis. Et ben, je le regardais. Parce que la distance n'est pas une barrière pour Dieu. Que ça soit sur le téléphone, que ça soit sur Skype, que ça soit sur Zoom, que ça soit au hasard, Dieu peut te toucher. Amen. Amen. Yala a pas le bon cœur à. Que n'a plus à parler. Il a fait le vomi, vomi, vomi. Il s'est ressaisi. J'ai dit, va, ta chambre, va regarder sur le lit. Tes papiers sont là-bas. Un ange a envoyé tes papiers. Il a vu, il a pris. Il a remis les mille médicaments. Je crois pas. Va chercher ça. Il tremble. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est quelque chose de surnaturel. Ça te dépasse. Je lui ai dit, va-t'en, il m'envoie. Et pas là. Il est tombé. Par la puissance. C'est-à-dire, il est confus. Tu es pour moi confondu par la puissance. Alléluia. Il dit, Yama, je donne ma vie à ton Jésus. Yama, alléluia. Alléluia. C'est pour ça que je le sais. Je sais de quoi il est capable. Il veut que quelqu'un sa main est capable de tout faire. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu dire Jésus qui est Seigneur dans ta vie à Jésus. Il a vu. Je lui ai démontré la puissance de Jésus qui de Nazareth. Les gens sont fatigués des discours. De Corinthiens 2, le verset 4. C'est dans une grande affliction. Le verset 2. Nous rejetons les choses honteuses. Excusez-moi. 1 Corinthiens, non, c'est pas ce que je voulais. Ma prédication est, ne reposait pas sur les discours, mais dans une démonstration de la puissance de Dieu. Alors, je veux retrouver ça rapidement. Désolé, c'est venu comme ça dans ma tête. Attends. Ça va, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Acclamons le Seigneur.
c'est 1 Corinthiens plutôt, chapitre 2, le verset 4. Voilà. Ce n'est pas 2 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 4. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 2. Le verset 4. Écoutez l'apôtre Paul en train de parler. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs. Mais Jésus n'a de la sagesse. De la sagesse. Qui ne venait pas pour discourir avec les gens. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Ah. Une démonstration de puissance et d'esprit. Je ne vais pas pour vous discourir la parole. Pour vous écrire la lettre écrite qu'on appelle le boss. Mais je viens avec un réma de la puissance de Dieu. Est-ce que vous écoutez? Vous savez très bien que l'apôtre Paul fut juif. Il était pharisien. Il a même tué Étienne. Mais le jour où il a été visité par la puissance de Dieu, il a compris une chose, il a été rempli de la puissance de Dieu. Je t'ai pas bien compris. Tu es vraiment une église de Dieu, de Jésus. Où est la puissance de Dieu qui se caractérise dans ta vie? Amen. Un capo à Jésus moi caillou. Y'a le roi là. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. En 2013. Un petit, il était possédé par l'esprit de sa grand-mère, maternelle. Il pratiquait la sorcellerie contre sa maman. Et sa maman est en pleine crise. On fait les examens. On découvre qu'elle a insuffisance rénale. Oh, quand tu l'as sous-arrêté, ça veut dire que tes reins ne fonctionnent plus. Quand les reins ne fonctionnent plus, tu es à moitié mort, c'est fini. Il faut passer par ce qu'on appelle dialyse. Le petit matin, il a confessé. Or, le serviteur de Dieu que vous voyez depuis 2009, je suis consultant de la télé ivoirienne. On m'invite pour les émissions télé. Je suis l'homme de Dieu qui lance des filles à l'exorcisme de la Côte d'Ivoire. Et puis je les traque. Et puis je les mate. Moi, j'aime pas la sorcellerie. C'est pour ça que vous allez voir que ici, pendant mon séjour, tous les grands sorciers vont tomber ici à l'aéroport. Quand tu ne dis pas Amen, ça va se passer. Amen. Je n'ai pas besoin de ton amène. Moi, si tu ne dis pas amène. La puissance de Dieu qui est en moi. Et qui existe en chaque homme de Dieu. Voyez la puissance de Dieu. En le pouvoir sur la sorcellerie. Comment tu t'appelles? Elle a ma. Tu enseignes? Combien de mois? Hein? Ça veut dire que tu accouches quand? Le mois prochain? Tu as 8 mois de grossesse. C'est ça? Tu devais mourir avec cette grossesse. Libérez ça, il y a une œuvre de la sorcellerie. Non, on ne pleure pas. Regarde-moi, regarde-moi. Pourquoi on ne pleure pas pour donner la révélation? Pourquoi tu regrettes seulement la mort? Tu ne regrettes pas que Dieu va te guérir. Est-ce que j'ai fini de parler? Je n'ai pas fini. Oh, Dieu ne va pas seulement te dire que tu vas mourir, mais il va te dire tu devais mourir, il va te délivrer. Tu réveilles l'enfant au travail 3 jours. Et l'enfant n'avait pas sorti d'aller mourir. Et le coup, pour que papa ait fait ça. C'est pas intéressant. Mais Jésus. Elle a dit ce matin, dans la vision qu'ils sont en train de voir sur toi, il te libère. Je sens déjà l'esprit de mort qui t'a saisi. Tu pleures pour quoi? Déjà, tu as peur. Hein?
Elle dit quoi? On acclame le Seigneur. Alléluia, Mama. J'ai donné cette révélation. Je suis tellement sûr de ça. Il ne faut pas après tu vas me poursuivre. Parce que quand on donne la révélation, c'est maintenant.
Donc, Dieu veut agir. Lève la main et dis à Seigneur, donne-moi ta force. Madame, ça va? J'ai fait, Ça va? Ça va toi? Maman, elle est de même vie. Elle est de même vie ici. C'est ta main. Je vais te dire quelque chose. Peut-être que ça va te choquer. Ma maman, elle est dans la sorcellerie. Mais je vais prier pour elle pour qu'elle soit délivrée. Je suis homme de Dieu. Je vois ce que tu vois. Pendant qu'on met les signes, j'ai l'impression que sa tête est en bas. C'est pas tu comprends? Elle a cet esprit-là. On peut la délivrer. Je ne suis pas en train de l'exposer. Vous voulez que je prie pour vous? Madame, ne jouez pas les étonnés. À lui, tu peux mentir, mais pas à Dieu. Levez la main. Il faut lui dire à ta maman, je suis serviteur de l'Éternel. Si elle ne se répond pas, elle a un mois. Elle va disparaître, c'est certain. Je reprends. Note ça dans ton agenda. Tout ce que j'ai dit dans votre église, après 15 ans, ça s'accomplit. Demandez à tous ceux. Ce que je dis est tellement vrai. Elle est reine d'une confrérie de 30 personnes qui travaillent avec elle. Je suis en train de l'exposer. J'ai pitié même pour toi. D'accord? Si elle ne se répand pas, aujourd'hui est 28. Après le 28 prochain, les choses vont aller. J'aimerais pitié pour toi. Parce qu'elle a fait de ta vie. Parce qu'elle t'a épousé spirituellement. C'est elle qui t'a mis ta femme sur le plan spirituel. Je suis venu pour vous aider. On m'appelle Marichal de la brigade anti-sorcière. Je ne l'ai pas. On m'appelle le Marichal de la brigade anti-sorcière. Elle n'est pas la seule. Elle est la pauvre. Dans sa passion, dans l'église, elle pratique la sorcellerie. À quelle église vous y avez-vous? Je ne suis pas en train de délivrer ta maman. Je suis véritable, je pèse mes mots, s'il vous plaît. Je suis serviteur de Dieu. Je fais le tour du monde à bord de notre champ. Quand je vois ma carte, elle a réfléchi. Si elle a besoin de mon aide, je vais lever la main. Non, moi je ne suis pas là pour. Je ne discute pas avec elle. Non, si c'est pour bien. Après, tu l'expliques. Non, attends, je vais l'amener bien. Dernièrement, on attend de prier. Il ne faut pas s'y faire. Lève la main. Demandez la grâce de Dieu. Demandez la grâce. Demandez la grâce. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu te touche là où tu es. La puissance de Jésus. Sa gloire. Je prie que la gloire de Dieu te touche maintenant. Une onction particulière vient sur toi. Dieu va envoyer son onction toucher ta vie ce matin.
Je vais envoyer son onction toucher ta vie. Il répand sa puissance sur toi. J'ai dit bien, Dieu répand sa puissance sur toi. Regarde, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Reçois la puissance de Dieu. Dieu te touche. Sa grâce te touche. Sa puissante main te touche. L'onction te touche. Reçois la puissance de Dieu. La grâce de Dieu se répand sur toi. La puissance de Dieu se répand sur toi. Dieu vous visite maintenant. Mais Dieu, vous ne laissez pas sur aucun. Elle est là. Avec son âge qui est là, il change beaucoup de garçons.
pas là. Je suis descendu en train d'être là. En réalité, elle avait une chance. Et on détruit. Vous savez, la sorcellerie n'aime pas les bonnes choses. Je vais l'aider. La puissance de Jésus.
Chasseur du mal, d'accord? Libère son nom, libère son nom.
Matt, 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 Matt,
C'est bizarre. La plupart des filles ont esprit de servant. Vous adorez ça ici? Hein? Oui, il y a des gens qui adorent ça. Regarde-moi, regarde-moi. Ça va? Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi. Ça va? Comment tu t'appelles? Hein? Non, regarde-moi dans les yeux. Comment tu t'appelles? Matt. Matt quoi? Laisse-moi. Hein? Comment tu te sens? Regarde-moi. Matt. Matt. Non, on n'aura rien. Tu dis Seigneur Jésus, lui-même il est là. Il prend soin d'elle. Tu peux l'attraper. Sors de ça. Allez. Détecter l'esprit qui reste zéro pour lui. Allez, lâche-la. Alors, je vous enseigne déjà, c'est encore un cours de démologie. Si un démon habite un corps, si c'est manifeste, vous devez chasser le démon. Pourquoi? Parce que si vous ne chassez pas le démon qui est dans le corps, quel ciel va, la situation devient grave. Tous les démons sont soumis au nom de Jésus. Il n'y a pas un démon qui est plus puissant. Yes. Non, non, non. C'est vrai qu'il mettra du temps, mais forcément il va aller. C'est ça qu'il faut persévérer. Souvent il va te dire non, tu ne peux pas me chasser toi comme ça. Il est dit. C'est pas ton nom, tu le chasses. Tu le chasses au nom de Jésus. Il va vouloir te distraire. Il va vouloir te dire, oh, toi comme ça, tu ne mourrais pas. C'est un mensonge. Nous mourissons tous les démons. Nous avons le pouvoir sur le nom de Jésus. Amen. Voilà. La chute. Or elle, ils l'ont marié au serpent. Par le fétichiste, ils l'ont marié au serpent. Non, laisse. Ils l'ont marié au serpent.
Lâche-la. Voilà, lâche-la. Alors, vous comprenez déjà que c'est important d'être délivré. Regardez, elle vient à l'église, elle est possédée. Elle n'est pas délivrée. Sa vie chrétienne va parler de l'ordre. Rendez-vous le 8 jusqu'au 12. Amen. Amen. Dieu va nous bénir. Amen. Et nous allons posséder ce recours. Nom de Jésus. Vous serez riches ici. Amen. Hein? Amen. La prochaine fois, si je viens, je vais avoir des vertus partout, pas de métro. Je chasse l'esprit de Dieu, le nom de Jésus. Vous savez, Jésus, pour que les gens sentent que Jésus est ici. Vous avez, ce que vous n'avez jamais vu, vous allez voir ça ici à Zérecourt. Ce que vous n'avez jamais vu, vous verrez ça ici. Vous savez qu'il y a une fois priant ici, où Jean Souris est sorti de la tête d'une fille ici. Ah oui, en 2006. Je ne sais pas si. Elle est morte. Elle est morte. Parce qu'elle a rétrogradé. Quel est l'homme dans un débat à Kounoukounoua, des blocs. Ah oui. Ce qui était 6 mois avant, c'est 5 fois hier. C'est cette fois. Il y a trop de sorciers dans cette église. Ils ont gâté l'église. Pendant deux jours, je ne parle de l'église. Tout est bloqué. La vie des pasteurs, la vie de l'église, les sorciers ont tout bloqué. Mais on va vous mettre. Au nom de Jésus. Allez dire aux sorciers de. De quel coup que le prophète Crasso est là. Allez-y au sorcier des Zérecourt que le maréchal est là. Allez-y au sorcier de Lola que le maréchal est là. Allez-y au sorcier de Massata que le prophète Crasso est là. Allez-y au sorcier de Kegedou que je suis là. Allez-y au sorcier de Kizidou. Voilà. Que le plus fort que vous est là. La vie des Zérecourt est sous une rivière. La vie des Zérecourt est sous une rivière. C'est là-bas que toute la sorcellerie fait les réunions. Après mon passage ici à Zérecourt, vous serez lumière comme on a lumière en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Avant qu'on rentre en 2022, Zérecourt aura lumière. Parole. Écrivez ça. Écrivez ça. Aujourd'hui, c'est le 28 février 2021. Écrivez ça. Avant l'année 2022, vous aurez la lumière. Parole des serviteurs de l'Éternel. Nous allons travailler dans ce sens. Nous on sort la nuit pour prier déjà pour vous. C'est que vous ne savez pas, le travail a commencé. J'ai commencé déjà à faire le travail. Vous savez pourquoi? J'ai dit aux gens, ils sont venus m'accueillir en parlant la terre. Ils m'ont donné les clés des Zérecourt. Je l'ai en main. Les clés spirituelles. Il dit, vous avez la clé du royaume. La clé nous sert à ouvrir. C'est pas pour m'amuser. Donc quand il rentre, je dis, j'ouvre les portes du courant ici. J'ouvre les portes de la richesse ici. Recevoir. Ah, ma présence est une bénédiction pour se décorer. Alléluia. Toutes les grosses têtes, vilaines têtes, bizarres de la sorcellerie vont tous tomber. La puissance de Dieu. Comment elle s'appelle? Marie. L'autre c'était quoi? Pourquoi c'est toujours Mama dedans? Marie et Martin, les soeurs de Lazare. Il y a Marie, la mère, puis maintenant il y a Marie, les soeurs de Lazare. Marie, levez-la, couchez-la. Non, pas de manière brutale, levez-la. Monsieur, il ne faut pas la filmer. Lève-toi. Marie, viens. Vous connaissez Salaman? Salaman. Oui, Salaman. Après,
C'est ce qui est en elle. Mais la salamandre que je voyais tout à l'heure, ça avait 4 et 6 pattes. Mais la tête ne sait pas. Comment on dit l'être en paix? Laissez-moi parler de lui. Non, mais prenez-moi. Ça va? Comment tu te sens? Cherche toujours le visage. Tu es en train de te former. Comment tu te sens? Tu me vois? Marie, bisous. Quand tu fais bisous, le démon rentre en toi. C'est un esprit qui fait ça. Or, l'esprit l'a marié. Comprenez? L'esprit l'a comme sa femme. Quand tu veux te marier, tu vois que si le monsieur est délivré. Il faut te suivre les femmes et les blessures, non? Ah, c'est demain qui va rentrer encore. Donc, les mini vous m'avons. Il a aussi un moment donné, c'est qu'il y a assez de temps qu'à parler. Lâche-la. J'ai l'autorité et le pouvoir sur toi. J'ai l'autorité et le pouvoir sur toi. J'ai l'autorité et le pouvoir sur toi. Tu m'attends? Tu vas la libérer des prisons. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. Merci. Lâche-la. Lâche-la. Voilà, voilà, tu pars. Tu pars. Jésus.
Aucun démon n'a le contrôle sur la puissance de Dieu. Maintenant que tu es en genoux, laisse Marie. Tu m'attends? Tu m'attends? Reste là. Ne bouge pas. Reste là. Reste là et ne bouge pas. Je te donne l'ordre de quitter sa vie. Chantez. Madame. Je t'envoie dans la main de Conakry et derrière Conakry là. À genoux, reste là. Tu la libères. Tu m'entends? Chante. Tu m'as entendu? Tu quittes sa vie. La Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Aujourd'hui est ta fin. La fin de ton rêve dans sa vie. Tu es venu comment dans sa vie? J'ai gagné 6 enfants. Même? Il y a 6 enfants. Et tu as mangé 2? Il a mangé 2. Pourquoi il a mangé 2? Pourquoi? Comment tu es venu dans la vie de Marie? Il est venu. Il a dit on va. Mais il est venu comment dans ta vie pour dire c'est ton mari? Il t'a marié. Il t'a marié. Oui. Depuis quand? Dans l'eau. À quel âge? Depuis quand? Depuis que tu es un enfant. Comment vous a marié? Il y a eu quel mariage? Maman est partie. Oui. Il a dit de l'eau. Oui. Et il a donné l'enfant. Ah, ta maman est partie, dit à l'eau. Donne-moi mari. Donne-moi un enfant. D'accord. Et l'enfant est venu. Maman a gagné l'enfant. Et c'est toi? C'était moi. Oui. Et l'esprit dit chez sa femme. Le serpent lui a dit. Uh-huh. Je vais te donner l'enfant. D'accord. Mais quand tu vas coucher, Quatre poulets blanches. La maman a oublié. Elle n'a pas envoyé. Si j'ai gagné l'enfant, oui, lui prend. Il mange ça. Il m'a mis dans l'eau. Il t'a mis dans l'eau. Il m'a marié. Il t'a marié. Il a mis bague. Hein? Tu es enlevé tout de suite là. On acclame le Seigneur. Alléluia! Alléluia! J'ai enlevé ça. Allez. Yala et mama. Alléluia 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 et mama.
devienne la neuvième, la barre qu'il avait donné, mis à sa femme. C'est parti. Allez. Le serpent. Le micro. Hein? C'est distant, je ne vois même pas. C'est disparu. C'est distant. C'est distant. Il devient rond. Donc tu le vois ou tu le vois plus? Il est parti. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bon, je vais chanter un chant embêté. Et puis on va danser. Aïe, Jésus, aïe, 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 ça va prendre. Aïe, Jésus, aïe, 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 Jésus, aïe, 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 ça va? Reprenez. Aïe, 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 très bien. Encore. Chante, faites les cœurs. Hein? Aïe, Jésus, aïe, tu es mon Seigneur. Aïe, Jésus, aïe, tu es mon Seigneur. Aïe, aïe, Jésus, aïe, aïe, Jésus,
que le diable voulait me détruire avec la mort. Mais toi, tu n'as pas voulu. Donc, ailleurs. Parce que vous dites, maman. Non, on dit ailleurs en béni. Ça va? Comment tu te sens? Comment toi, jolie femme, tu es mariée à 5 ans? C'est-à-dire que tu vas marier femme de quelqu'un. Et puis c'est pas l'homme, c'est serpent. Si t'as avant la nuit, tu vas faire comment? Tu vas dire, mais tu es ma femme. Ça va? Ça va? Allez, moi. Ça va? Hein? Elle dit quoi? Ah, c'est joli qui est fort. Amen. Amen. Il faut que tout démon reconnaisse la puissance de Dieu qui est en vous. Amen. Et que l'esprit du diable reconnaisse votre autorité. Amen. Tu dis quoi? Je suis fort. Pourquoi je suis fort? Il a chassé. Le diable. Il est parti. Il passait. Hein? Allez, dis passeur. Hein? Dix pasteurs. Dix pasteurs prier pour toi. Ça n'a pas marché. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Ils ont prié pour toi, ça n'a pas marché. Je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier. Prophète Joël Crasso. Aucun démon ne me résiste. Va t'asseoir. Prenez la place, va t'asseoir. Aucun démon ne peut me. Allez dire aux sorciers des hommes. Quand des démons, Jésus t'a vaincu. Depuis toi, je vais. Et pas de l'ouvrir. Jésus, il y a à terre. Il y a quelqu'un pour le cœur. La puissance. Et quel micro qui fait du bruit. Éteignez ça. Lâche-la. Soulevez-la. Faites la soie. Imaginez-vous, les gens sont dans l'église, sont possédés. Comment vous trouvez ça? Alors aujourd'hui, c'est la fin de ton règne. La fin de ton règne. Tout ça. Elle dit, pasteur, priez pour moi. Mais tu es fort. C'est pas parce que je suis fort. Je crois à la puissance de Dieu.
au séminaire, je vais vous montrer chaque fois les vidéos, les passages où je suis parti. Demandez à la toile du roi qui est le prophète Crasso. Je suis le seul homme de Dieu qui me met devant la télévision ivoirienne. Et puis je menace la sorcellerie ivoirienne. Quand tu viens devant moi, je te fais tomber. Il n'y a pas ton bonheur dans la télévision ivoirienne. Je suis l'homme de Dieu, le premier à faire une émission sur les œuvres de la sorcellerie. Je déclare que le sorcier qui verrait ta vie va tomber. Amen. Lâche-la. Alors, les gens sont à l'église, ils sont posés de tous les ans normal. C'est nous qui avons les problèmes. Ni n'a pas de l'air. Il faut qu'on vous forme. Hein. Non, il faut qu'on vous forme parce que vous regardez les gens tomber. Tout ça, c'est la formation. Ne regardez pas les gens tomber. Bon, imaginez-vous une fille comme ça. Vous la mariez, elle est possédée. Vous êtes dans le même lieu, elle disparaît la nuit. Tu as fait comment? Tu l'as cherché la nuit, chérie, elle est partie. Elle est partie. C'est ça, non? Ah, je vais parler de parler avant de quitter. Je libère mon esprit. Je te libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui même, je mets fin aux œuvres des ténèbres dans ta vie. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je te déclare au nom de Jésus libéré. Et toutes ces forces, ces esprits qui contrôlaient ta vie, tes liens sont brisés. Et tu es libéré aujourd'hui là, par la puissance qui est dans le nom de Dieu. Ça va? Salut-moi. Comment tu t'appelles? Elle va bien. Hein? Ah, Elisa. Bête. Elisabeth. Elisabeth. C'est ça? Ça c'est petit nom Elisa. Elisabeth. Hein? Elisabeth. Hein? C'est intéressant. Marie, Elisabeth, la maman de Jean-Baptiste. Non, c'est toute l'église. C'est la famille de Jésus qui est ici. Elisabeth. Allez, parlez. Allez, parlez. Galé. Ça va? Avec Galé. Avec Galé. Avec Galé. Galé. Là, il est là, je ne trouve pas. Je suis libéré. Viens-moi ici, viens-moi. On a un bon fiage, c'est ça. C'est pour me mettre dans le bras. Sinon, je suis marié. Et j'aime beaucoup ma femme. Ouais, j'aime trop ma femme. Ouais. Gros bisous à ma femme. J'aime trop ma femme. Celui qui n'aime pas sa femme, c'est un sorcier. J'aime mari sorcier. J'aime trop ma femme. Bisous. C'est fini, tu es délivré, va t'asseoir. On peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ là-bas. Alors, on va terminer par la prière. Levez-vous. Amen. On va terminer par la prière. Si tu es malade, touche moi ta tête. Je vais prier, on ne fait que produire. Mais à partir du 8,
demandant aux gens de venir. Laissez-moi demander la puissance de Dieu. Nous recevons sur nos champs pour libérer les gens. Levez la main. Je prie que la main de Dieu soit sur vous. Je prie que l'onction de Dieu soit sur vous. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Que sa main forte soit sur vous. Que la puissance de Dieu demeure sur cette église. Et cette main de Dieu vous protège contre les œuvres de la sorcellerie. Je commande à toute forme de maladie, à la maladie qui t'anime maintenant, fibre, tension, diabète, tête blanche, stérilité, maux de rein, mot de cœur, toutes ces maladies, je les chasse maintenant dans votre vie. L'esprit vous localise. Je déclare tout esprit d'échec et de la pauvreté dans votre vie. Recevez la bénédiction. Au nom de Jésus, je prie des choses. Amen. Amen.